Ce plan d'eau d'environ 10 hectares, qui se situe à près de 5 km de Metz, regorge de silures. Nous allons vous montrer que cette méthode est applicable par tout le monde, avec un matériel qui n'est pas trop sophistiqué et à portée d'un grand nombre de pêcheurs. La technique que nous allons utiliser, c'est une technique que nous pouvons transposer partout, dans tous les plans d'eau, dans toutes les rivières, parce que c'est une technique simple et particulièrement efficace. Olivier, j'ai vu en Allemagne qu'on pêchait à la bouée, un peu avec le principe qu'on utilise ici. Mais toi, j'ai vu que tu as un peu perfectionné le système avec des piquets. Tu peux m'expliquer la différence? Quel est l'avantage du piquet par rapport à la bouée? L'avantage du piquet, c'est que tout ton bas de ligne est au-dessus de l'eau. Ta ligne est complètement libre. Si tu as plusieurs lignes de tendue, tu peux passer en dessous sans problème. Ouais. Mais l'avantage principal, c'est que suivant la tension de la ligne, tu vas faire monter ou descendre le vif. La nuit, tu vas pouvoir le lever un peu plus parce qu'il va flapper, il va faire du bruit. Et comme le silure monte la nuit, tu le feras plus monter. C'est ça l'avantage. Oh, c'est parti. Attends, j'arrive. Tu l'as? Il est au bout? C'est bon. Allez. La pêche de la carpe et la pêche du silure sont deux pêches qu'on peut faire ensemble, qui se ressemblent énormément, tout au moins de par l'action. C'est souvent une pêche de nuit, c'est une pêche qu'on peut faire du bord. Donc si j'ai bien compris, on peut faire une session, on peut mettre sa tente, on peut pêcher la nuit, on peut tirer des lignes un peu exactement comme on pêche la carpe. Bien sûr, d'ailleurs il n'est pas rare lorsque je fais une session d'avoir à gauche mon rod-pot de carpe et à droite mes cannes silures. Quand l'un ne mord pas, bon, moi j'ai la chance d'avoir l'autre qui part. Et puis si j'ai bien compris, si tu pêches la carpe, tu es en train d'amener les silures derrière. Oui, puisque bon, le silure est un carnassier. Ouais. Lorsqu'on cherche la carpe, on va la chercher sur les hauts fonds, sur des roselières ou des nénuphars comme on voit ici. Mmh. Et le silure, lui, se nourrit de cyprins. Donc à partir du moment où tu as trouvé un poste carpe, tu as trouvé une zone de chasse silure. C'est ça. Ici, où c'est que tu pêcherais? On parle toujours de fosse. Ouais. Savoir que le silure, à l'heure actuelle, dans le domaine public, se pêche le jour. Mmh. Donc, c'est un poisson qui est lucifuge et qui fuit le courant. Parce qu'on a toujours parlé de silure en rivière. Ouais. Et le silure n'est pas un poisson que de rivière, c'est un poisson de marais, c'est un poisson d'étang. Et la journée, il va se cacher dans la zone où il aura le moins de lumière, où il sera le plus tranquille. Ouais. Donc, dans un étang, ça va être, ou dans une rivière, ça va être soit une fosse, ça va être sous les herbiers. Mmh. Par contre, dès qu'il se met en chasse, il va quitter ses zones de repos pour monter sur ses zones de chasse. Ces zones de chasse sont les zones carpes dont on parlait tout à l'heure, sont les zones cyprins. On va le pêcher dans sa dos, on va le pêcher dans 80 cm d'eau, pas plus. Ça n'a rien à voir avec l'idée reçue que l'on a souvent, silure égale fosse 15 mètres, parce que jusqu'à maintenant, on a toujours pêché ce poisson dans les zones de repos. C'est ça. Donc si je transpose, avec la technique qu'il va nous montrer, nous allons pouvoir pêcher sur tous les étangs. De la même manière, même sur toutes les rivières. Bien sûr. Donc, si je suis carpiste et je n'ai que cette formation, je viens sur un plan d'eau, j'essaye de suivre les postes à carpe parce que là, je ferai du silure, c'est ça? Voilà, si je sais qu'il y a du silure sur ces zones. Tout à fait. Bon, là, sur un étang, on va parler d'eau au fond ou de grands herbiers, alors qu'en rivière, ça va être de travailler les bords. Oui, c'est ça. Mais c'est une pêche simple qui s'adapte à n'importe qui, à n'importe quel type de plan d'eau, de rivière. Hein, même de lac, et que à la portée de tout le monde, il n'y a pas de gros besoins financiers. Un carpiste comme toi ou moi qui a démarré le silure à l'époque, on pêchait sur des petits poissons, je l'ai pêché avec mes cannes à carpe. C'est ça. Exactement, le même matériel, au lieu de mettre une bouillette, je mettais un vif. Tout à fait. Donc, c'est exactement le même secteur. On va lui redonner la liberté. Il faut qu'il ne se rappelle pas sur l'action. Plus vite que prévu. Ouais. Tu prends toujours des anguilles comme vif? Pas systématiquement, j'en prends régulièrement parce que c'est l'avantage d'être un vif qui a la peau dure, tu vois, qui est très résistant, qui bouge très longtemps, très souvent. Qui est hyper actif dans l'eau. On pêche en surface, c'est un poisson qui va bien attirer le silure. On a remarqué que les trois meilleurs vifs qu'on allait trouver,
qui sont la tanche, l'anguille et la truite, comme on dit. Le seul point commun quand c'est trois poissons, c'est leur nage. C'est une nage qui est très ample comparé à d'autres vives comme le gardon, le chevesne, la brème. Mais c'est l'ondulation, tu vois, qui est très importante. La tanche c'est pareil, la truite c'est pareil, alors que d'autres vifs font pas du tout le même travail. Et en plus, l'anguille a l'avantage d'être très résistante et nager tout le temps. Parce qu'il faut savoir que au piqué ou à la bouée, un vif qui bouge plus, c'est un vif qui attire plus rien. C'est un vif qui n'attire plus si loin. Bon, le défaut de l'anguille, c'est que c'est uniquement un hameçon simple, planté à la queue, sinon. Elle s'en mêle. C'est la salade complète. Hein. Elle se reprend dedans, elle s'en mêle. En 10 minutes, t'as fait un sac assez impressionnant. Maintenant, elle aime son simple aussi. Ça te permet de pas trop blesser le poisson. Tu peux bien le relâcher après. Surtout que l'autre avantage de la pêche au piqué ou à la bouée, c'est que le poisson est ferré instantanément à la touche. C'est ça. Vraiment instantanément, il est piqué. Donc c'est sur le bord de la gueule. On parfois un peu plus, mais c'est quand même rare. Et ça te permet quand même d'avoir déjà un beau combat et puis pouvoir relâcher ton poisson sans aucun problème. Ouais, d'accord. Le système là de l'anneau brisé, qu'on voit là, c'est que ça t'empêche le vrillage. Parce que lorsque tu utilises des vifs comme celui-là ou des vifs légers, t'es pas obligé de mettre une plombée. C'est ça. Sur des gros vifs qui ont tendance à monter en surface ou à trop partir, tu vas mettre une plombée. C'est l'action de l'anneau brisé qui empêche le vrillage. Parce que sur un vif léger, le risque, avec un émaillon paternoster ou tout simplement en utilisant que le système là, en accrochant le cassant ici, ça vrille complètement et ton bas de ligne remonte sur le corps de ligne. Et le lendemain matin, tu te retrouves avec une ligne qui pêche avec un vif pour les cormorans. C'est pas le but. D'accord. Bon, alors le cassant, on va lui donner quoi, 3-4 mètres? Le cassant au piqué, on le fait sur place. D'accord. Je coupe pas à l'avance, puisque avec le système du piqué, tu peux pêcher par exemple dans une trouée de nénuphar. Mais à l'avance, tu sais pas si tu as besoin d'un mètre 20, d'un mètre 50. Là, tu vas voir. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va arriver sur le piqué. Et la personne qui est au bord, en l'occurrence la Stéphane, va ramener la ligne vers nous. Je vais laisser dérouler le cassant jusqu'au moment où le vif est à l'endroit exact où je veux qu'il soit posé. D'accord. On arrête tout, on pose le cassant. De cette manière, tu peux poser un vif en plein milieu des nénuphars, en plein milieu des arbres noyés. Je pêche même la carpe comme ça au pain, en surface. D'accord. C'est qu'en fait, c'est une technique qu'on peut utiliser aussi bien en mer, aussi bien sur d'autres poissons. Absolument sur tout. Absolument sur tout type de poisson. Ouais. C'est tout simplement la différence, c'est la pâte qui va mettre au bout. C'est ça, tout à fait. Tu peux pêcher le brochet, tu peux pêcher la carpe, tu peux pêcher. C'est ça. Peut-être pas la blette parce que ça fait beaucoup de travail pour pêcher la blette. D'accord. On va y aller? Allez, on est parti. Steph, tu prends la canne s'il te plaît. Allez, go. On va sur le premier piqué là. Ouais, d'accord, à côté du signe là. Alors, le piqué là, en fait, il a été posé à cet endroit là. Parce que c'est une cassure sur la poêle de l'étang. Et en sondant avec la perche, je suis aperçu qu'il y avait plusieurs taches, plusieurs trouées dures, sans vase. En fait, ce sont des secteurs où le silure a complètement dégagé la vase, jusqu'à la glaise, pour pouvoir effrayer. Alors ça fait des véritables petits trous, des petits trous, c'est des trous qui font la taille d'une barque. Il va complètement dévaser jusqu'au moment où il va arriver sur la soldure. Stéphane Moline. Ouais, je vais la placer là juste entre les nénuphars. Il y a un petit trouée. Top. Tu vois, si je tends, je monte. Si je détends. Hop, un peu trop là. Et donc tu vas faire ton nœud d'arrêt sur le piquet. Et après, il suffira de tendre la canne très fort afin que
les cannes qui ont une action de pointe tendent le fil et provoquent un ferrage automatique. Hop, 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 c'est trop. Descends. Encore un poil. Encore un petit poil. Voilà, Guy, on voit bien le système qui empêche. Mmh. Si on a utilisé un système classique au bouchon, ou pêchant à fond, ou je ne sais quoi, encore que technique, on n'aurait pas pu pêcher autre phare. Mmh. Là, rien n'entrave ta ligne. Ouais. T'as pas une herbe ne peut la prendre, pas une branche, rien du tout. Mmh. Et quand tu auras la touche, tout va tomber, tout, le montage est entièrement libre. Il n'y a absolument rien qui gêne. Grossier, mais c'est d'une précision incroyable. Et puis même si le poisson est dans les nénuphars, avec la force de la presse, il n'y a pas de problème, on arrivera à le sortir. Oui. D'accord. Bon, en plus là, on a la possibilité d'utiliser le bateau pour sortir le poisson. Mmh. Ce qui est à mon sens un peu plus intéressant d'un point de vue combat. Oui. Parce que le silure est un poisson qui a de très très grosses nageoires pectorales. Mmh. Et une tête un peu plate, un peu incurvée vers l'avant. Ce qui fait que lorsque tu es assez vertical, tu as beaucoup de mal à le décoller du fond, à le faire monter. Alors que si tu es du bord, vu que c'est un poisson qui est très serpentiforme, très souple, l'attraction étant sur son flanc, oui, tu n'as pas trop de mal à le déséquilibrer. C'est ça. Alors en fait, tu vas le ramener, tu vas le pomper, mmh, et ton combat, tu l'auras que sur le bord. C'est ça. Alors que si tu vas en bateau, tranquillement jusqu'au poisson à sa verticale, et là tu as vraiment un combat qui est certes plus court, oui, mais par contre qui est plus puissant. Ça c'est le montage qui passe un peu passe-partout, dérivé du système carpiste pêche aux cheveux. En fait, en guise de cheveux, on a un petit hameçon simple monté sur un anneau brisé qui lui est monté sur une corde à piano, ligaturé sur un hameçon de 3 à 8, voire 10 zéros. Et le petit hameçon, il fait quelle taille? C'est un hameçon de 1. Oui. 1 pour la carpe. Le tout est maintenu par une gaine thermo. Cet hameçon-là sera planté à l'arrière de la dorsale du vif, vers la queue, car le silure est un poisson qui aspire sa proie. Et c'est la partie la plus légère du poisson qui vient en premier. En général, c'est la queue. En général, hein. Ce type de montage-là, on peut utiliser des vifs jusqu'à 500 grammes, 800 grammes, grand maximum. Après, on est obligé de passer à d'autres types de montage. Et quel genre de poisson tu utilises avec ça? Tanche, gros gardon, chevesne, barbeau. En fait, le silure n'est pas très très difficile. Bon, il y a des vifs qui marchent mieux que d'autres parce qu'ils sont plus résistants, ont une nage un peu plus attractive. Mais sinon, dans l'ensemble, tous les vifs fonctionnent. Hein. Alors ça, c'est un montage que l'on utilise sur des silures qui sont soit méfiants, soit très peu en appétit. Sur des poissons qui vont venir par-dessous le vif et le prendre tout doucement. En fait, il se compose de deux hameçons simples, un fixe et un autre qui est réglable, qui est coulissant sur le bas de ligne. L'hameçon du haut sera planté dans le dos du poisson et l'hameçon du bas, lui, traversera le muscle de la queue pour pendre en dessous. C'est okay, un montage qui ne peut pas s'adapter dans un courant violent. Hein. Mm-hmm. C'est uniquement en eau calme ou en rivière type Saône où le courant n'est pas trop fort. Le corps de ligne arrive sur un demi-rayon baril, ouais, lui est fixé. Fixe le bas de ligne. Ouais. Mais sur le haut de cet émerillon baril, on a mis un anneau brisé qui tient un émerillon agrafe. D'accord. Qui lui, en fait, va tenir le fil cassant. Donc ce type de montage, c'est ce que tu utilises par exemple sur le Rio Ebro en Espagne, c'est ça? Oui, ou sur le Pô en Italie. Oui, quand il y a du courant. Alors ça, c'est le montage qui fait peur. C'est un montage avec une olive, un hameçon simple et deux hameçons triples. Mmh. L'olive va varier d'un poids de 80 grammes à 250 voire 300 grammes. Tu as un hameçon triple en base qui est fixe. Au-dessus, un autre hameçon triple qui est coulissant. Mm-hmm. Et au-dessus, encore un hameçon simple qui lui aussi est coulissant. Donc ceci afin de s'adapter à la taille du vif. D'accord. Parce qu'on va utiliser des vifs d'assez grosse taille. Là, ça va être des vifs qui vont osciller de 800 grammes à 2,5 kg, voire 3 kg. Mm-hmm. D'accord. Qu'est-ce que tu utilises, toi, habituellement? Anguille, tanche, truite. Tu préconises? Hormis les trois espèces que j'ai citées, le chevesne est très bon, le carassin aussi, le carpo dans certaines conditions. Mm-hmm. Donc, utiliser des poissons souples, de taille pas trop grande, de poids alliant de 150 à 150 grammes à 2 kg, hein, selon le type de poisson qu'on cherche. Donc en fait, tout type de poisson
peut convenir. Tout type de poisson. D'accord. Le primordial, c'est la résistance. Parce qu'on peut attendre 2-3 jours la touche. Hein. Tu la mets où celle-là? Au large. C'est celle où tu as beaucoup de fil sur la bobine. Alors là aussi, on a toujours intérêt à laisser le tambour du pick-up ouvert et de ne pas mettre un frein léger. Oui, ça évite au fil de vriller. C'est bon. Voilà, alors là ce qu'on voit, c'est que la canne est très tendue. Si on regarde bien la pointe, quand le silure va attraper le vif, il va casser ce cassant, qui a environ un fil nylon entre 25 et 35 centièmes, et qui va provoquer sur le nerf de la canne, sur cette action de pointe, le ferrage automatique. Ça a l'air de rien, mais sur la touche, cette canne recule à peu près d'un mètre. L'action de retour de la canne est parfois tellement vive qu'elle tombe à la renverse à l'arrière. C'est la raison pour laquelle on les bloque avec un élastique. Okay. Alors celle-là, par contre, on va la tirer à la bouée. C'est toujours la même méthode que le cassant. Enfin, toujours méthode au cassant. Par contre, c'est une méthode plus facile à poser seul. Bon, le système du piqué, il faut quand même pouvoir surveiller la tension. Alors que parce que la tension est toujours au piqué qui va faire monter ou descendre le vif. Alors que là, la bouée, c'est la profondeur de ton vif, c'est la profondeur du baling que tu vas lui donner. Parce que la bouée est en surface. Elle, par contre, elle peut pas varier. Mais son avantage, c'est que tu peux la poser tout seul. Tu peux tirer ta ligne tout seul. C'est le plus bête, hein. C'est toujours le même montage. Toujours le cassant. Bon, alors là, c'est ni plus ni moins qu'une bouée qui est accrochée à une grosse pierre. Alors, soit tu fais un système d'accrochage comme là pour accrocher un cassant. Soit tout simplement, tu t'embêtes pas, tu fais un petit nœud coulant que tu passes autour. Oh là là, c'est la rame qui me fait ça. Autour de la bouée. Ensuite, là ça va se tendre. Et ça se remplace. Donc là pour le retour, il suffit d'ouvrir le pick-up. La ligne est entièrement en surface. Et c'est bien la longueur de ton baline qui va donner la profondeur à laquelle elle va pêcher. Par contre, ne pas hésiter à faire un cassant de 2 bons mètres pour la bouée et 4-5 mètres pour le piquer. Pour le piquer tout simplement parce qu'il arrive qu'avec le vent ou la tension, il se met à bouger comme ça. Et pour ce qui est de la bouée, pour éviter que le vif revienne sur la cordelette de la bouée et s'en mêle dessus. Puis de toute façon, si le cassant après est beaucoup trop long, il y a énormément d'élasticité et le silure aura du mal à casser le cassant et tu vas le rater, tu vas le décrocher. Qu'est-ce que tu utilises comme type de moulinet? Du tambour déjà fixe. Oui. On peut utiliser le tambour tournant pour ceux qui veulent tirer à grande distance, parce que ça fait l'avantage de ne pas abîmer le fil. Maintenant, un moulinet robuste avec une grosse capacité de fil. En étang, ça va être des cannes d'une puissance de 4-5 livres. Mmh. Et en rivière, on va utiliser des cannes de 6 à 12 livres. Oui. Hein, selon ce qui empêche à soutenir en mer veut dire 200 à 300 grammes à peu près, c'est ça? Voire 500. Voire 500 grammes. Ouais, voire 500. La seule chose qui est importante pour ce qui est des cannes, c'est d'avoir une canne qui ne soit pas trop parabolique
parce qu'on ne peut pas tenir la canne sous le bras. Qu'on va être puissant. Ouais. Donc le talon de la canne va être bloqué sur l'aine. Et si tu as une canne trop parabolique, le talon bouge et te fait très mal. Donc il faut essayer d'avoir quand même un talon assez rigide. D'accord. Pour ce qui est des moulinets, il faut essayer d'avoir un moulinet rustique. Ouais. Avec un pick-up ou tout au moins un porte-galet. Ouais. Le plus rigide possible. C'est ça. Toujours et le même problème, sinon il y a un phénomène d'écrasement. Ouais. Le galet se défend, va toucher la bobine. D'accord. Non, c'est parti. Olivier, c'est parti. Attends, faut que je passe en dessous. Il tire. Ok, pareil. Ouais, il est après, au bout. Ça pousse, là. Phare à les roseaux là. Ah, il est là, merde. La canne. Là, j'ai un peu ouvert quand même. Elle a l'air bon, hein. Ton avis, il fait combien? Ouais. Ça fait combien de kilos ta tresse là? Ouais. Non, c'est pas moi. On va y aller. Ouais. On va les laisser. Ouais, tu as pas mal là. C'est un beau poisson, hein. Eh oui, là, il est un peu mouché, il ressemble un peu au poisson du Rhône, hein. Ça. Mais ça, c'est de couleur noire, là. Ouais.
Et regarde. Ouais. Très cranté ici. C'est typique du silure hongrois, ça. Ah, ouais. Très typique. Ouais. C'est plus foncé que ceux d'Espagne, quoi. Ils sont plus jaunes, hein. Oui, plus jaune, plus gras. Mmh. Ça, c'est... Le silure français est quand même plus clair que ça. Oui, un petit peu. Mais ça fait un petit peu le silure blanc. Je n'étais pas prêt de se décrocher, celui-là. Non. Bon. T'arrives? Tu veux une pince? Oui, je veux que j'aie bien la maison, mais... Bon. Aïe. Aïe. Ok. Je pense qu'il fait quelle taille celui-là? Oula! Il va se mordre la queue! Le cormoran qui va être régurgité là. Donc en fait, ça explique pourquoi tu n'as pas de cormoran sur ton plan d'eau, c'est ça? Oui, entre autres, j'ai plus guère de poules d'eau, il n'y a plus guère de canards. Bon, ils n'ont pas tout mangé, hein, les oiseaux se sont sauvés à force de se faire attaquer. Avait... Mais non, c'est vrai que le pays est un plan d'eau où il n'y a plus beaucoup d'oiseaux, tout au moins aquatiques. Ouais. Et donc, un silure, ça s'attaque même au cormoran. Même au cormoran. Bon. Ben, on va peut-être relâcher le silure. Oui. Voilà. On va te remettre à l'eau. Petit père. Allez. On va laisser un peu s'oxygéner là. Voilà. Allez. Bye bye. Voilà, on voit bien la largeur du pectoral. Ouais. Ouais. Ouais, un peu. Allez, salut l'ami. Allez, merci. Allez, dégage. Voyons, ça fait quand même déjà deux là en début de soirée, c'est pas mal. Hein. Combien en moyenne que font les gens quand ils font une session chez toi? Ça va être quand même difficile à dire parce que ouais. Ça reste dans la pêche. Ouais. Des capots sont déjà arrivés. Oui. Rare, mais c'est déjà arrivé. Bon, maintenant la moyenne de poissons par nuit par pêcheur, ça oscille entre 2 à 5 départs. Départ. Ah, hein. Départ, oui, départ, on a. Hein. Ouais, parce que bon, après c'est. Bon, c'est le poisson, faut pas ouais, rater au virage. Et le record de cet étang? Alors, en prise, le plus gros poisson, là, est un poisson de 2m34. Ouais. Qui a été fait par un gamin. Ah, ouais. Gamin de 13 ans. Gamin de 13 ans. Il va s'en souvenir toute sa vie. Il va. Il est parti sur la...
la gauche, là, complètement. Tu croises derrière l'arbre. Ouais. Tu penses que tu vas le faire du bord ou il faut prendre le bateau? Non, ça ira. On va s'amuser un peu. C'est sympa, hein, l'ambiance. Là. Ouais, faut faire quand même les combats en bateau. Voilà, parce que c'est plus puissant. Bon. De toute façon, là, le combat, on va l'avoir au bord. Oui, oui. Parce que là, on est quasiment à la verticale du bord. On ne peut pas se faire décoller, quoi. Économique. Bien parti. Ouais, plus d'1m50, 1m60. Décrocher ou casser, hein? Qu'est-ce que tu penses? Tu n'avais même pas marqué. Oui. Ah. Je ne suis pas étonné, tu regardes, regardes ouais. La marque, elle est là. Oui. Tu vois qu'elle se surplombe. Surplombe, ça là. Il y a un trou là. Oui. Ça, ça arrive avec les anguilles. Ça, c'est pas une des anguilles. Hein. Non, mais la touche là, ça. Ah, la gigote, oui, bah, la touche était franche, enfin franche. Même pas, c'était plutôt une touche.
plus gros poisson, je sais pas, c'était gros. Non, enfin, c'était lourd. Ça, sincèrement, c'était lourd. Mais tu sais, exactement comme quand tu penses que tu es accroché au fond, comme quand tu as des gros silures. Mais à ton avis, alors, c'est pourquoi ça a décroché? Bah écoute, difficile à dire. Hein. Bon, elle a été tirée très loin. Hein. Mmh. Là, ton ferrage était un peu sec, pas assez ample. Là, faut pas hésiter, même si c'est de la tresse, ça va reculer de 2-3 mètres pour lui planter, hein, pour vraiment de l'amplitude. Puis bon, apparemment, la tendangue, il a une marque là. Peut-être que, simplement ouais, piqué comme ça, toi. C'est ça, ouais. Et ça empêchait l'hameçon de pénétrer. Voilà, mais d'un autre côté, s'il était uniquement, s'il y avait uniquement que ça, vu que tu l'as tenu quand même quelques secondes, t'aurais des marques. Ouais, ouais. Tu vois, là, rien du tout. Mmh. On va la retirer tout de suite, de toute façon. Ouais. Il est que 11h20. On a eu que deux départs quasiment côte sur côte, il a fallu avoir un troisième. Toute la nuit devant nous. On a refait un cassant, on a remis un vif, et donc la canne qui vient d'attraper le silure va être retirée là-bas au large. Donc Olivier revient avec la barque et je vais lui passer le montage pour qu'il aille retirer la ligne et la fixer sur le piquet. Tiens, c'est bon, là j'ai le cassant, j'ai fait le nœud. Ça va comme ça? Oui, bon. Ok, attends, voilà, c'est bon, c'est décroché, c'est bien. À ta gauche? Oui, je l'ai vu, j'ouvre le frein. Ça va? La ligne plus au large qui est partie, celle qu'on avait tirée en face dans les roseaux, et sur la touche le poisson s'est tanké dans les roseaux, donc on va aller chercher à le faire sortir de là et on va aller dessus. Alors la première fois que tu pêches avec ces moulinets, que tu as un espèce d'envoyer, que tu dois ramener 300 mètres de fil, tu sais, avec le doigt comme guide. Alors, bon, voilà. On s'approche de la roselière. Tu vois le nœud? Ouais. Le nœud, c'est ma double ligne. Allez, donc il n'est pas long, attention, ça risque de bouger. Hein. Voilà, ça bouge. Hop, c'était décroché. Il était dans les roseaux. Oui, mais il s'est décroché cette nuit. Hein. Yep.
70, quelque chose comme ça. On va le remettre à l'eau. Là, il est au bout. Olivier, il est au bout. Oh, c'est bon, c'est bon. C'est la matière, hein. Je vais te donner la tête parce que c'est plus lourd. Hein. Allez, l'homme fort. Tu le tiens ? C'est bon. Tu veux le gant ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est joli, hein ? Oh ! On va lâcher ? Oui, on va lâcher. Donc on a des choses. Hop, papa. Salut mon beau. Voilà.